pour une nouvelle vidéo sur The Crew. Donc un jeu que je vous ai déjà présenté. Mais là, il y a une exception, il y a une nouvelle mise à jour, un nouveau DLC qui a été intégré au jeu. C'est pour être policier. Donc on va essayer d'y aller. J'espère que ma connexion va tenir. Ma carte réseau va tenir parce qu'en gros elle fait Wi-Fi et Bluetooth en même temps. Et mon casque est connecté en Bluetooth. Donc je sais pas si ça va passer, visiblement oui. Donc ça va l'air d'aller. Donc on est reparti. Allez hop, on a la petite monster qui va bien, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? Félicitations, joueur de Wild Run, tu viens de débloquer la Nissan GTR. Note qu'il faut pouvoir conduire, hein. N'oublie pas d'aller au QG. Ok, en gros, tu m'offres une bagnole que j'ai déjà. Ouais. En gros, je vais me faire niquer, les gars. Oh! Je m'en fous. Donc, comme vous voyez, maintenant on peut aller jusqu'au niveau 60 avec ce DLC. Je sais pas trop comment ça marche réellement. Donc, 60 c'est déjà pas mal. Donc, hop, invitation pour une poursuite. Je sais pas si c'est moi qui passe ou pas. Hop, là il est en train de charger. Ouais, pourquoi j'ai pas de son? Paramètres. Bonjour, on coupe la musique. Là, j'ai un petit problème de son. On se retrouve tout de suite et après voilà. Bah, sinon, faudra que je branche le casque, je pense. Donc, je vous dis à tout de suite. Re les amis, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, avec la Pagani Huayra. Donc c'est l'une des nouvelles voitures. L'une des nouvelles voitures de la nouvelle mise à jour. Donc on va essayer de se faire une ou deux missions. Et après on va se laisser là-dessus. Donc c'est plutôt sympa, ça ressemble un peu à la Need for Speed No Limit ou un truc dans ce genre là. Donc hop. Donc re les amis, là j'ai mon téléphone. Donc voilà, c'est la nouvelle extension qu'on peut passer du bon côté de la barrière à peu près. Donc le problème c'est que en fait on joue plus le rôle du gars qu'on jouait au début et c'est un peu bizarre en fait. En fait en gros on s'est réincarné en une gonzesse. Ouais, c'est cette bonne femme là maintenant. Donc, en soi, c'est pas très très important, mais pour moi, ça a quand même une petite importance. Sur le principe, parce que. C'est que. Bah voilà, au final, on se baisse. Voilà. Parce que j'en avais pas parlé tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir des baisses des FPS et tout. Ah, j'ai même plus marqué des FPS. Donc voilà, tac tac. Donc on a je vais vous emmener au par contre le truc aussi que j'ai trouvé bizarre c'est que quand on comment dire on a les chutes de non, pas les chutes des fesses les comment ça s'appelle les merdes qu'est-ce que je peux utiliser. Oui, en gros, quand on a avec ce DLC, voilà, c'est ce que je voulais dire. Avec ce DLC, on a aussi l'extension Wild Run. Ça, par contre, ça me fait un petit peu chier sur le principe que on est Wild Run avec, alors que nous, on a payé 20. Non, moi, j'ai payé 20€ pour avoir ce Wild Run, quoi, au final. Donc voilà, donc ça me fait un peu chier. Donc ils ont rajouté quelques voitures, donc ce Maserati, si je me rappelle bien. Il y avait aussi la Ferrari qui est ici, il y avait aussi, si je me trompe pas, il y avait la Jeep, si je me trompe pas. Et il y avait une autre voiture. Bah.
Ah bah ils me l'ont offert. Ok d'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi. Donc en gros ils m'ont offert ce que le premier message que j'ai vu quand j'ai ouvert le jeu, c'est qu'ils m'avaient offert la Ford GT. Donc en gros je pensais que c'était la voiture de police qui m'avait offert parce qu'elles sont à part, toutes les bagnoles sont à part. Mais la Nissan, voilà, c'est celle-là qui m'ont offert. Et celle-là c'est une nouvelle bagnole, elle est disponible depuis avec l'extension en tout cas. Donc est-ce qu'il y a de nouvelles bagnoles exotiques? Donc j'ai presque toutes les bagnoles en exotique, mais bon c'est les mêmes que les autres. Hein. J'ai presque toutes les bagnoles en soi dans le jeu. Donc voilà. Je peux monter tous les monster trucks qui existent dans le jeu. Pardon. Donc hop, merde. Et aussi on a la catégorie police. Ah oui, police, c'est comme ça. Donc on a la catégorie police, j'ai déjà 3 ou 4 voitures. Donc j'ai la Mercedes GLC, donc c'est la première qu'on offre. Après j'ai la Nissan GTR, donc je me la suis achetée en premier. Et puis après j'ai voulu m'acheter la Pagani. Donc voilà, après je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc on a plusieurs catégories, mais on a très peu de choix encore je trouve. Donc on a la Abarth 500 Monster Truck, la Gallardo LP 570 Super Leggera en circuit, le Hummer en raid, le Ford SVT Raptor en raid aussi, BMS 1000 RR en perf, qui est meilleur d'ailleurs en circuit, comment s'appelle, qui est meilleur en circuit si je me trompe pas. Et puis celle-là, la Agera, la Kunzing Agera, en gros c'est la bagnole qui est censée être la plus chère du jeu, mais là elle est pas si chère que ça. Après on a l'Aventador LP 704, la Jeep Wrangler, et puis voilà, après les autres je vous les ai déjà montré. Donc il n'y a pas beaucoup de voitures pour les flics. Bon après peut-être qu'ils vont faire des patchs et puis en rajouter, j'en sais rien. Et aussi donc vu qu'on va au niveau 60, on a des nouveaux on peut acquérir de nouvelles compétences et au final être bien. Voilà. Donc on peut avoir 60 compétences en tout et pour tout. Pour je sais plus où c'est, normalement il y a un endroit où on peut avoir je sais pas, je le connais pas par cœur les trucs, où justement on peut on a une grande chance, il y en a de grandes chances d'avoir plus de chances d'avoir 2 points de capacité en fait quand on passe un niveau. Je sais pas c'est lequel, mais pour le folie en fait. Voilà. Donc on va se faire une petite mission et puis après on va se laisser là je pense. Parce qu'en gros il y a des nouvelles missions intégrées à ces DLC, donc en gros des courses poursuites. Hop, voilà. Là, je vais voir un coup. Elle était juste à côté. Donc là, il y a souvent des invitations qui arrivent pour les poursuites, j'en ferai une peut-être après. Donc comme vous voyez, il y a plein de petits trucs rouges qui veulent dire qu'il y a des comment ça s'appelle. Ah ouais, parce que j'ai pas de raid. Et j'ai pas de circuit. Et j'ai pas de raid. Et j'ai pas de circuit. Non, j'ai pas de dirt. Ok. Donc bien que j'ai fait n'importe quoi, donc on revient, on repart de la. Donc comme vous voyez, j'en ai déjà fait. On va essayer de se faire ces trucs là, les infractions là. Casse d'argent. Voyage rapide. Je sais pas quoi ça correspond, juste. Ça par contre, parce que j'ai pas non plus. Je me suis pas spoil. Ah oui, ok, d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est des trucs qui. Pas terrible. Ah ouais, ok.
Donc en gros, voilà, je vais attendre, ou sinon je vais m'en acheter une. Bah je vais vous montrer sur l'une que j'ai déjà faite. Je pense qu'il y en a une là, je vais en prendre une où j'ai déjà bien réussi. Je vais jouer sur celle-là, bon elle est pas trop compliquée à faire, ça va être assez simple et voilà. Donc pour une paire, la Pagani déjà de base elle est très bonne. Donc c'est pour ça que je l'ai prise avant tout en fait. Donc je vous laisse la cinématique, excusez-moi pour l'horloge derrière. Moi j'ai déjà vu parce que j'ai déjà fait le truc complet. Donc hop, on a des bonus pour pouvoir arrêter les petits chenipans là. Tac tac tac, on va lui mettre une petite PC. Hop, on lui fait un malus et après on peut le rattraper. Ouais, il a pas l'air décidé à coopérer. Utilise tous les moyens à ta disposition. Tu dois l'arrêter. Hop. Oh non, je perds le contrôle. Encore un cadeau de l'adversaire ça. Donc lui aussi il a des bonus, comme vous voyez il m'a aveuglé et il m'a fait perdre le contrôle de mon véhicule. Bon là, hop. Aussi si j'en ai envie je peux retourner sur sa position. Par exemple là vous voyez je me suis bien foiré. Hop, on revient sur lui. C'est plutôt simple on va dire. Ça c'est la solution de facilité. Donc là vraiment c'est pas très bon du tout hein, ce que je fais là, mais bon. Par contre après je me suis pas frotté au bot encore. Là celle-là je l'ai réussi en deux prix rapaux la dernière fois. Là bon j'ai un peu plus de difficultés, je sais pas pourquoi. Alors j'avais exactement la même bagnole. Hein. Donc j'essaye de vous montrer un gameplay quand même d'assez bonne qualité. C'est pas le top non plus mais bon c'est déjà pas mal. Voilà, le but c'est de faire pour qu'il s'en aille pas et qu'on l'arrête. Voilà, hop. Et là on a gagné le bonus en fait et on va avoir. Là j'ai dû faire que de la merde, hein, perso. Ah je passe niveau 53 quand même. Donc comme je vous ai dit, on arrive juste. On peut aller jusqu'à niveau 60. Donc je suis arrivé en argent, bon j'ai fait en platine celle-là déjà. Mais bon. Pas grave. Donc voilà. Hop, hop. Donc comme vous voyez ça monte vachement bien quand même. Parce que là on fait des 30, plus 30, plus 30, plus 30. Oui j'ai vraiment fait de la merde. Ah ok, en fait quand on fait des retours sur route, ça nous fait perdre des points. Ok, d'accord. Je le savais pas, bon maintenant je le sais, j'ai besoin de le faire. Donc voilà. Donc je voudrais essayer de faire Donc aussi bon bah de toute façon la poursuite est terminée. Ok bah pas trop bien, je m'en fous. Donc je vais essayer de faire une poursuite vite fait et puis après je pense qu'on va. Je vais même essayer d'en faire deux pour voir. Mais une en tant que méchant et une en tant que gentil. Et puis après bah, on va se laisser là-dessus, hein, c'est ce que je voulais vous dire. De plus. À part que aussi, c'est vrai que je vous ai pas dit, on peut activer ou désactiver les gyros un peu comme sur GTA. Hop, voilà. Nickel, pas de problème.
comme sur GT, il n'y a rien de plus cher en tout cas. Hop, et on débattue. J'ai l'impression qu'ils ont changé des bagnoles de flics, parce que ça, c'est pas une... Non, toi, t'es... T'es un flic normal, toi. Ouais, ils ont changé les bagnoles de flics, elles n'étaient pas comme ça avant. Donc, c'est plutôt pas mal, ils ont fait un bon truc. Ça reste correct pour le prix, c'est vrai que c'est un peu cher. Surtout quand on a déjà acheté Wild Run avant. Mais bon. Parce que là, en gros, l'extension vaut 24 euros. Sans compter surveillance par la police. Comment ça 1 versus 1. Ok, donc je vais faire par la Windy, c'est un peu chiant mais bon. Bon, on va pas s'emmerder, allez hop. Parce que c'est que j'avais pris trop de retard, je suis arrivé vraiment comme un vote déçu et puis voilà. Alors que j'aurais pu faire bien mieux. Par contre les flics dans l'herbe ils sont vraiment cool. J'ai peut-être une perte, mais quand même, au moins qu'ils ont changé ça, mais avant c'était bien mieux. L'arrêter. Voilà, donc hop, on est bon. On est gagné, mais on peut répondre. Ouais, j'ai rien compris. Je comprends rien à ce truc, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est qu'on ait gagné des pièces, c'est bien. Quelle victoire, en plus, j'ai gagné. À toutes les unités de poursuite, notre cible actuelle n'a plus la priorité absolue. D'accord, entendu. Par contre, moi je voudrais changer de voiture pour voir un peu comment ça se... Ah ok, ça donne comme ça les voitures de... Okay. Donc je vais remonter tout en haut et prendre une bonne voiture qui ne soit pas une voiture de police. Pour voir si je peux faire quelque chose. Donc on va aller voir ça vite fait, est-ce qu'on peut se tirer là-dedans. Je pense que ça devrait être le plus facile. Caisse bronze. Merde. Non, moi je peux me téléporter là-bas. Pas de problème. Hop. Donc on va
le but c'est d'arriver à destination, à détruire le colis pour pouvoir se barrer et gagner de l'argent. Mais... What? Ok, bon. Putain de saloperie, connexion de merde. Bon bah voilà, donc ce qui fait que au final j'ai perdu. Bon. Donc on va continuer, j'ai... Excusez-moi, j'ai... Donc ça me fait un peu chier quoi, quand on voit ça, qu'on n'arrive pas à jouer comme il faut, c'est un peu chiant. Après maintenant il y a plus... c'est plus comme avant maintenant. Parce que comme vous voyez, maintenant il y a les machins, maintenant que les gars... Mais le truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il y avait maintenant les gars. J'ai rien capté à l'histoire, mais c'est pas grave. Alerte de priorité vue. Ce criminel recherché entre dans notre juridiction. Au départ à la poursuite aux coordonnées indiquées. 10-4. On aurait besoin d'un autre hélico ici, centrale. Étage reçu. Bon, il faudra pas m'attraper, je pense, parce que c'est quand même Donc, les barrages sont déployés et opérationnels. 4 à toutes les voitures des barrages ont été mis en place. Hop, on va bientôt y arriver. Donc c'est un peu ballon. Et voilà, et là on a gagné. Donc on a gagné de l'argent, 4000, ok. Je comprends pas cette histoire de truc là, donc on a fait deux trucs, un en mode méchant, un en mode gentil, on va dire. Ouais, donc ça vient jusqu'à 60. What the hell, bro? Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Donc voilà, c'était vraiment sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ouais, c'était plutôt sympa pour moi, pour ma part. Donc j'espère que c'était aussi sympa pour vous. Donc j'en remercie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et puis on se verra dans la prochaine vidéo. Donc c'était même si vous l'attendez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.